Courbons la tête maintenant pour prier. Seigneur notre Dieu, grand Créateur des cieux et de la terre, qui a ramené Jésus d'entre les morts, et il est avec nous, vivant depuis ces 2000 ans, toujours vivant pour confirmer sa parole et la rendre réelle à chaque génération. Nous sommes si reconnaissants pour sa divine présence maintenant même, de savoir que nous avons cette grande assurance qu'après que cette vie ici sera passée, nous avons la vie éternelle dans le monde à venir. Merci pour ça, Seigneur. Et cette espérance, c'est une ancre de l'âme, solide et sûre en temps de tempête. Et quand les tempêtes surviennent, que les grandes vagues déferlent, nous avons le sentiment que par la foi en lui, nous pouvons caresser chaque vague. Ô Dieu, aide-nous ce soir, comme nous venons pour assister les malades et ceux qui sont dans le besoin. Nous prions, ô Dieu, qu'il n'y ait pas une personne malade parmi nous quand nous repartirons ce soir. Puisse chaque personne être guérie par ta puissance divine, tant ici que d'un bout à l'autre du pays, grâce au relais temporaire. Puisse-t-il ne pas y avoir une seule personne qui sorte faible d'un bâtiment ou d'une réunion ce soir. Puisse ton esprit les guérir. Que le grand soleil de justice, avec la guérison sous ses ailes, se lève, qu'il répande les rayons de la foi dans chaque cœur, pendant qu'ils écoutent la parole, qu'ils voient les manifestations du Saint-Esprit, les convaincre qu'il est toujours vivant. Nous te prions d'accorder ces bénédictions, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons vraiment que c'est un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir pour parler aux gens et prier pour les malades. Nous voulons saluer tous ceux là-bas qui nous sont reliés par le téléphone d'un bout à l'autre du pays ce soir encore. Et alors, nous prions Dieu de bénir chacun de vous, espérant que tous ceux qui ont accepté Christ ce matin seront remplis du Saint-Esprit, et qu'ils vivront toujours fidèles et loyaux envers lui jusqu'à ce que la vie soit terminée ici sur terre, cette vie mortelle. Et alors, ils, pour avoir fait ça, ils ont la vie éternelle. Ils ne mourront jamais dans l'âge à venir, cet âge glorieux que nous attendons tous. Maintenant, nous allons dire ceci pendant que j'y pense, non pas pour interrompre. Frère Vail est ici, et il se pourrait que je n'arrive plus à le voir. Je vais, puis-je vous envoyer ce manuscrit quand je serai rentré à Tucson? Je suis en train de le parcourir. Je ne l'ai pas encore entièrement lu et je vous le renverrai aussitôt que je serai arrivé à Tucson. Maintenant, je voudrais faire une annonce. Ceci est spécialement adressé aux églises de partout, spécialement dans l'Ouest ou n'importe où qui voudront venir. Notre noble frère, frère Perry Green, c'est lui qui est l'instigateur de cette liaison téléphonique que nous avons ici. Le Seigneur a mis sur son cœur de venir nous visiter à Tucson et de commencer un réveil à Tucson, ce dont nous avons réellement besoin. Donc, frère Perry sera à Tucson. Si vous désirez le contacter, vous n'avez qu'à entrer en contact avec notre bureau là-bas. Ce sera les 10, 11, 12 et 13 août. Il a cela sur son cœur depuis longtemps. Et je lui ai dit, il n'y a qu'un seul moyen d'ôter cela de votre cœur, c'est d'aller le faire. Et c'est un frère chrétien, un vrai serviteur de Dieu. Et vous, les gens de Tucson, je sais que vous serez bénis pendant qu'il exercera son ministère quelque part là-bas, peut-être à l'auberge Ramada, ou à l'endroit auquel le Seigneur aura pourvu. Il ne l'a pas indiqué là-dessus. Mais je sais que vous serez bénis en venant écouter frère Green pendant qu'il nous exposera la parole de Dieu, qu'il priera peut-être pour les malades ou ce qui devra être fait selon l'onction de Dieu. Nous voulons également remercier frère Orman Neville et frère Mann pour ce merveilleux moment de communion avec eux. Combien je suis reconnaissant d'être associé avec des hommes tels que frère Neville, frère Mann et tous ces autres ministres qui sont ici. Je suppose qu'on a déjà souligné leur présence. Si notre conseil et notre église ici ne l'ont pas fait, je suis sûr que Dieu, lui, reconnaît votre présence ici comme ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Maintenant, on m'a demandé une petite chose ici,
sur un bout de papier qui m'a été remis. Ils ont eu une réunion des administrateurs l'autre soir ici, du conseil des administrateurs et des diacres. Et je pense que le compte-rendu a été lu ce matin devant l'Église. En effet, c'est notre coutume de faire ça. Quant aux décisions qui ont été prises par le conseil des administrateurs et celui des diacres ici dans l'Église, évidemment, elles ne peuvent pas plaire à tout le monde. Nous ne pouvons pas faire ça. Je n'ai absolument rien à faire avec le conseil des administrateurs ni avec le conseil des diacres. Je ne vote même pas, à moins qu'il y ait égalité de voix, et alors je dois être ici pour le faire. C'est frère Orman Neville qui effectue ce second vote. Ensuite, nous devons signer ça parce que nous faisons partie de l'Église. Mais ce que le conseil des administrateurs et ce que ces conseils prennent comme décision, certainement que nous les appuyons à 100% parce qu'ils sont là pour ça. Et leur décision, c'est entre eux et Dieu. Je ne peux pas contredire cette décision-là, je ne le peux pas et je ne le ferai en aucun cas. Et autre chose, le gouvernement des États-Unis m'interdit de prendre quelque décision que ce soit là-dessus. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas de rectifier leur décision. Je ne peux pas le faire et je ne veux rien entendre à ce sujet. Voyez ? Alors, ne me demandez pas de rectifier leur décision. Allez voir le conseil, c'est lui qui a pris les décisions. Bien. Maintenant, au cas où on aurait une prochaine réunion, il se peut, si le Seigneur le veut, que je revienne ici dans environ 4 à 6 semaines, ou quelque chose comme ça, pour peut-être une autre réunion de dimanche. Et j'avais annoncé ce matin que je voulais parler au sujet de Dieu manifesté dans sa parole. Mais je n'aurai pas le temps d'apporter ça ce soir, et franchement, je n'ai presque pas assez de voix pour le faire. Et puis, la foule, il y a presque autant de gens à l'extérieur qu'il y en a à l'intérieur, et peut-être plus, en comptant ces autocars et camions et tout, qui sont parqués là-dehors avec des gens. On a amplifié un peu le signal de l'émission, nous pourrons l'entendre. Cette onde courte qui était mise du tabernacle, nous pouvons la capter jusqu'à un pâté de maison. Et certaines voitures se trouvent à plusieurs pâtés de maison. Les fils de voitures, ça et là, de tous côtés et dans les rues, autour du tabernacle ce soir. Je ne crois pas qu'à aucun moment, visiblement, nous ayons jamais eu plus de gens entassés à l'intérieur et autour de l'église que nous en avons ce soir. Alors nous sommes, et beaucoup, beaucoup, beaucoup viennent et repartent tout simplement en voiture. Alors, ça montre bien que là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et permettez-moi de vous dire ce soir que dans ce petit groupe de gens, il y a un rassemblement international. En fait, plus des 2/3 des États de l'Union sont représentés ici, en plus de 5 nations étrangères, la Russie même, et toutes les différentes régions du pays. Depuis tout là-bas, au Venezuela, là-bas en Jamaïque, de partout, toutes les régions du pays, il y a des gens qui sont ici, qui ont faim et soif de Dieu. Quel moment merveilleux! Maintenant, je voudrais, avant de lire la Bible, et je vous demanderai de prier pour moi maintenant. Je vais essayer d'apporter un petit message, si le Seigneur le veut, sur l'appropriation de la guérison divine. En effet, ce matin, nous avons parlé du salut. Et ce soir, nous allons parler pendant quelques minutes de la guérison divine, et ensuite former la ligne de prière et prier pour les gens. Pendant que nous ferons ça, ceux des relais temporaires, où que vous soyez, même là-dehors, dans les autocars et dans les voitures, tout autour dans un rayon d'un ou de deux pâtés de maison à partir du tabernacle, quand il sera temps de prier pour les malades, si vous ne pouvez pas entrer dans le bâtiment, et vous ne le pouvez pas, j'en suis sûr maintenant, parce que partout les entrées sont bondées au-delà des limites, et pas de place nulle part, alors priez et imposez-vous les mains les uns aux autres là-bas. Et que chaque ministre qui est avec nous grâce au relais temporaire ce soir, prie aussi pour son assemblée pendant que les services de guérison seront en cours. Nous croyons que Dieu est omniprésent partout. Maintenant, avant que nous lisions ou avant que nous prions, nous voulons lire dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai changé les passages de l'Écriture que j'avais, étant donné que je voulais changer le genre de réunion que j'avais décidé de faire ce soir.
Alors, j'ai changé un peu ça. Et donc, j'ai dû changer les passages de l'écriture que j'avais. Non pas les changer, mais les placer dans un autre ordre en rapport avec la guérison divine, pour que les gens comprennent. Prenons dans Luc au chapitre 24 et nous allons commencer au verset 12 du chapitre 24 et lire jusque vers 34. C'est sur la résurrection du Seigneur Jésus. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, et il ne vit que les linges, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, le même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Or, il faut 10 stades pour faire un mille, donc c'était environ 6 mille. Et comme ils s'entretenaient de ce qui s'était passé, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sais-tu pas ce qui est arrivé en ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Maintenant, souvenez-vous, c'est Jésus lui-même ressuscité qui parle. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré à... pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Nous espérions qu'il serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Maintenant, écoutez, Jésus. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il fût entré dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11, et lorsqu'ils étaient avec eux, assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Maintenant, prions. Bienveillant Père bien-aimé, nous te remercions pour ta parole, car ta parole est la vérité, ta parole est la vie.
Et toi, ô Seigneur, et ta parole est un. Alors, nous te prions ce soir, Seigneur, de venir parmi nous dans la puissance de ta résurrection et de te manifester à nous ce soir comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, que nous aussi nous retournions chez nous en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? » Accorde-le, Seigneur, le temps du soir approche de nouveau. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais parler à propos de cette Bible. Et mon sujet de ce soir, qui me servira de thème, c'est les événements rendus clairs par la prophétie. Les événements rendus clairs par la prophétie. Maintenant, la Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. La Bible est un livre différent. C'est un livre de prophétie qui annonce d'avance des événements futurs. Et elle est aussi la révélation de Jésus-Christ. D'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, elle le présente dans sa plénitude. Ce qu'il a été est ce qu'il est. Et tout le livre, au complet, Apocalypse 1, 1 à 3, dit que ce livre est un livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Or, tous les autres livres, les livres sacrés, ce n'est qu'un code d'éthique, un code de morale ou un code de théologie. Quelque chose qui... Combien ont déjà lu le Coran, la Bible des Mahométans, et le livre qui traite des bouddhistes, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un code d'éthique, la vie que les gens devraient mener, la façon dont ils devraient vivre. Mais il n'y est pas prophétisé, il n'y est rien dit au sujet de ces choses-ci, ni au sujet de dons spéciaux qui seraient donnés à quelqu'un, de choses qui allaient arriver. C'est exactement comme d'adhérer à un club ou quelque chose comme ça. Par conséquent, quand des églises en arrivent au point où elles font de leur église un simple club auquel on adhère, alors elles sont complètement à côté de la parole de Dieu. En effet, la Bible est un témoignage vivant, annoncé d'avance, de Jésus-Christ. Et de même que la terre s'est développée jusqu'à sa plénitude, et que les vignes aussi se développent jusqu'à leur plénitude, que le jour se développe jusqu'à sa plénitude, de même la Bible a été manifestée dans sa plénitude, dans la personne de Jésus-Christ. Il était la parole de Dieu révélée, le livre de la rédemption tout entier. La Bible est la parole de Dieu, qui annonce d'avance les événements futurs. Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole, non pas juste une partie. Une seule parole, ne pas la croire, vous feriez aussi bien de cesser d'essayer jusqu'à ce que vous croyiez cette parole-là. Chaque parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant. Dieu manifesté, enveloppé dans sa parole, pour montrer qui il est. Nous avons reçu l'ordre, en tant que croyants, d'en croire chaque parole. Et elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Il n'y a personne qui puisse y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Si vous le faisiez, on aurait là un corps monstre de Dieu. Il aurait peut-être comme 6 doigts à une main, ou 3 bras, ou quelque chose comme ça. En y ajoutant quelque chose, en retranchant quelque chose, il aurait un bras en moins, 1 doigt en moins. C'est le corps complet de Jésus-Christ. Et en Christ, qui est le mâle, l'époux, en lui l'épouse est représentée, elle aussi. Et ces 2 sont 1. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Quelle image complète! Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent telle qu'elle, ils la croient. Et ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge.
Chaque croyant a guetté cela. Chaque croyant qui a été vigilant aux aguets, c'est celui-là à qui cela a été révélé. Maintenant, regardez les jours de la venue du Seigneur Jésus. Pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas reconnu Jean? Alors que la Bible avait clairement dit par Ésaïe, il y aura une voix, celui qui criera dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Leur dernier prophète qu'ils avaient eu, c'est-à-dire Malachie 3, avait dit, voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Pourquoi n'ont-ils pas vu ça? C'est parce qu'ils regardaient quelque chose qui était déjà accompli. Ils basaient leurs pensées sur un certain message qui avait été proclamé avant. Ils n'ont pas vu la manifestation présente de Dieu dans le jour où ils vivaient. Et les chrétiens partout, c'est exactement là l'état du monde ce soir. Sans contredit, c'est la vérité. Les chrétiens partout, ils cherchent à regarder en arrière, à un certain code d'éthique que M. Luther a écrit, ou M. Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin, et aucun de nous ne peut dire quoi que ce soit contre. Mais ça, c'était à une époque passée. Les pharisiens regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit. Et ils disaient, « Nous, nous avons Moïse. Nous ne savons d'où toi tu viens. » Mais souvenez-vous, quand Moïse était là, il ne savait d'où lui il était venu, voyez? Et maintenant, ce n'est pas étonnant que Jésus leur ait dit, « Vous ornez les tombeaux des prophètes, et c'est vous qui les y avez mis. » Après que leur message s'en est allé, un message est proclamé, les gens le voient, ils s'en moquent. Le monde, c'est ce qu'il fait. Et puis, après que le messager a fini et que le message est arrivé à terme, alors, ils construisent une dénomination sur le message. Et c'est là qu'ils meurent, là même. Ils ne reviennent jamais à la vie. Regardez un petit instant, certains d'entre vous, et je m'adresse particulièrement à vous, les catholiques. Vous rendez-vous compte? Avez-vous jamais lu les faits historiques? L'histoire de l'Église catholique romaine? Selon ce que rapporte votre martyrologe, depuis saint Augustin d'Hippone, combien de millions d'innocents l'Église a mis à mort? J'ai oublié, je ne me rappelle pas le nombre exact, mais ça s'élève à des millions depuis que saint Augustin d'Hippone en Afrique avait déclaré que c'était absolument la volonté de Dieu de mettre à mort quiconque protestait contre l'Église catholique romaine. Vous rendez-vous compte, là, que saint Patrick n'a jamais été reconnu comme un catholique romain jusqu'après sa mort? Il avait protesté contre le pape et contre toutes ses actions. Et l'Église catholique elle-même a tué des dizaines de milliers de ses enfants. Saviez-vous que l'Église catholique a brûlé Jeanne d'Arc, cette petite femme sainte, sur le bûcher, comme il déclarait qu'elle était une sorcière? 200 ans plus tard, ils ont déterré les corps de ces prêtres quand ils ont découvert que c'était une erreur. Et ils les ont jetés à la mer, sans qu'ils soient ensevelis dans la terre sacrée, pour faire pénitence. Ne laissez pas le jour passer au-dessus de votre tête. Ne soyez pas insensés. Ces sacrificateurs, comme ils voudraient revenir ce soir, ceux qui ont condamné Jésus. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'avaient pas du tout vu ce qui avait été prédit pour cette heure-là. Jésus a dit, « Sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez, ou plutôt, vous prétendez avoir la vie éternelle. Et ce sont les Écritures qui vous disent qui je suis. » Pour cette heure-là, remarquez, la Bible ne peut pas faillir. Ça, c'est une chose qu'elle ne peut pas faire. La parole de Dieu, faillir. Car elle annonce d'avance les actes de son auteur, avant qu'il les accomplisse. Or, il y a une chance sur 1000 qu'un homme puisse faire une prédiction selon laquelle un événement ou un autre va arriver et qu'il arrive. Mais s'il précise le lieu où la chose va arriver, ça diminue ses chances à peut-être 1 sur 10 000. S'il dit quel jour la chose va arriver, ça diminue les chances à 1 sur environ 1 million. Et à qui la chose va arriver, ça réduit ses chances des milliards de fois. Mais cette Bible vous dit exactement qui,
quand, où et quoi attendre. Elle n'a jamais failli une seule fois. C'est pourquoi, au cours d'une petite discussion, il n'y a pas longtemps, avec un prêtre de l'église du Sacré-Cœur, ici, il disait, « Monsieur Branham, vous essayez de soutenir des argumentations par une Bible. » Il disait, « Ça, c'est l'histoire de l'église. » J'ai dit, « Ce n'est pas de l'histoire, c'est Dieu lui-même sous forme écrite. » Il a dit, « Dieu est dans son église. » J'ai dit, « Dieu est dans la parole, et que tout ce qui est contraire soit reconnu pour un mensonge. » Car il a dit que ma parole soit reconnue pour vraie, et toute parole d'homme pour un mensonge. Il a dit, nous ne devons pas nous engager dans une dispute. J'ai dit, je ne vous ai jamais demandé de vous engager dans une dispute. Mais la Bible dit bien, venez, plaidons ensemble. Elle annonce d'avance les actions de l'auteur avant qu'il les accomplisse. Par conséquent, les ayant annoncés, alors chaque homme et chaque femme se retrouvera au tribunal du jugement en n'ayant aucune excuse. Si vous vous fiez à ce que les méthodistes en disent, ce que les baptistes en disent, ce que les catholiques disent, ce que les pentecôtistes disent, ou n'importe quelle autre église, il se pourrait que vous ayez des désillusions au jugement. Mais si vous regardez simplement à ce que la Bible annonce comme devant arriver, et au moment où la chose va arriver, alors vous reconnaîtrez ce qui arrive. Or, ce n'est pas exposé là à la vue de tous, pour que tout le monde puisse le voir. En effet, Jésus a rendu grâce à Dieu d'avoir caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et de les avoir révélées aux petits-enfants qui seraient disposés à apprendre. Pensez-y, le Dieu Tout-Puissant installé dans sa propre parole, avec le pouvoir d'aveugler les riches et les insolents et les érudits instruits, d'aveugler leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas le voir, et d'ouvrir les yeux des pauvres et des illettrés. Remarquez, ces gens qui revenaient d'Emmaüs, il a dit que leur intelligence avait été empêchée de le reconnaître. Toute la journée, il lui avait parlé. Et il n'avait même pas reconnu qui c'était. Dieu peut faire ça, car il est Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait à ses sacrificateurs, ses scribes, parce qu'il était écrit qu'il devait le faire. Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions avoir une chance. Remarquez, ils ne pouvaient pas voir quelle qu'était leur qualité d'érudit, leur qualité de sacrificateur, quoi qu'ils aient pu faire. Ils ne pouvaient toujours pas voir ce qu'il en était parce qu'ils étaient aveugles. Ils avaient peut-être 10 dixièmes à chaque œil quant à la vue physique, mais leur vue spirituelle. C'est la même chose que j'essayais de dire ce matin au sujet de l'adultère des femmes qui s'habillent comme elles le font maintenant. Elles sont bel et bien adultères. Dans le livre de Dieu, elles sont coupables d'adultère chaque fois qu'elles mettent des vêtements sexy. Leur âme, sans savoir. Je crois que ces femmes, beaucoup d'entre elles, des milliers d'entre elles, sont innocentes et qu'elles ne voudraient absolument pas commettre adultère. Et ces pauvres femmes, à cause de quelqu'un qui va les laisser faire ça sans dénoncer la chose et dire la vérité, elles commettent adultère. En effet, la Bible dit, « La prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle tous les rois de la terre et tous les peuples de la terre, les églises et tout, ont commis des fornications spirituelles. » Et elle était la mère des prostituées, des dénominations. Nous regardons à la Bible, car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il a envoyé la Bible pour nous annoncer d'avance les événements avant qu'ils arrivent, et même de quelle nature ils seraient et à quel moment ils arriveraient. Maintenant, c'est comme consulter un calendrier pour voir à quelle date on est. Si vous pensez, vous dites que c'est samedi, c'est dimanche, on est quoi? Consultez le calendrier. Le calendrier vous indiquera quel jour on est. Quand vous voyez les actions des gens qui, peut-être, se rendent à l'église, que vous voyez entendez sonner les cloches, vous vous demandez quel jour on est. Consultez le calendrier. Il vous indiquera quel jour on est. Et quand vous voyez l'église devenir mondaine, comme ce qui arriva du temps de Sodome, que vous voyez le monde des églises, alors qu'elles entrent toutes dans, qu'elles adorent le Dieu de cet âge mauvais, de voir ça,
Et puis, de voir un petit groupe minoritaire rassemblé sous l'inspiration de Dieu, produisant de nouveau la vie de Jésus-Christ par les passages de l'Écriture qui sont censés arriver, vous savez à quelle heure vous vivez. Cette Bible annonce d'avance, par la prophétie, le jour où nous vivons, et le temps où nous vivons, et le genre d'événements qui devraient arriver. Elle les annonce d'avance, exactement à la lettre. Elle n'a jamais failli, à aucun âge, pendant tout ce temps. Pas une seule fois, elle n'a failli. Et elle ne faillira pas, car ceux qui sont prédestinés à le voir, le verront. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. » C'est la parole qui s'unit à la parole. Elle ne peut pas faire autrement. Nous le savons, c'est le jour où nous vivons. Mais ça se passe comme dans tous les âges. Les gens laissent des hommes ajouter leur propre interprétation à cette parole. Et à cause de ça, ils sont aveuglés devant l'événement qui s'est produit. Cela a produit le même effet dans le cas des pharisiens et des sadducéens. Même quand Paul s'est tenu là et qu'il a essayé de citer l'Écriture et qu'un homme l'avait giflé parce qu'il avait traité le souverain sacrificateur de muraille blanchie. Et alors, ils ont manqué de voir Dieu confirmer sa parole qui avait été prophétisée. Voyez-vous, la Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est Dieu. Il n'y a aucune contradiction en Dieu. Il est parfait. Mais les gens, par leur propre interprétation, maintenant remarquez, permettez-moi de vous le montrer, mes amis. Les églises n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles sur l'interprétation de cela. Les méthodistes n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les baptistes avec les presbytériens avec les pentecôtistes. Et les quelques 40 différentes organisations de Pentecôte, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. Alors, vous voyez, ce serait de nouveau Babylone, la confusion. Mais Dieu fait lui-même l'interprétation de sa parole. Il a promis telle chose, ensuite il l'accomplit lui-même. Il en donne lui-même l'interprétation parce qu'il se fait connaître à cette heure-là, où le corps de Christ en est arrivé dans son développement en partant des pieds vers la tête. Remarquez, alors, c'est pour ça que ces gens n'arrivent pas à saisir. C'est parce qu'ils écoutent ce que quelqu'un d'autre en dit, au lieu de lire la parole comme Jésus leur a dit de le faire. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, écoutez, qu'en est-il? Lisez les Écritures et voyez ce que le Messie devait faire. Voyez à quel moment le Messie devait venir. Regardez qui devait précéder le Messie. Regardez quelle heure il est. Il doit y avoir une voix de celui qui crie dans le désert, Jean, et vous l'avez traité exactement comme vous l'avez voulu. Regardez ce que moi je devais faire, quand je viendrai. Et maintenant, qu'avez-vous fait? Ai-je manqué d'accomplir cela? Voyez-vous, c'est Jésus qui parle. Ai-je manqué d'accomplir cela? Remarquez, alors que nous avançons en parcourant les Écritures cet après-midi, comment toutes les choses qui avaient été prophétisées à son sujet sont arrivées exactement comme elles devaient arriver. Ils auraient dû reconnaître cet événement. Il y a ce fanatique qui a fait son apparition, ce jeune homme d'environ 33 ans ou de 30 ans. Et il est allé là-bas, il a affirmé qu'il y avait toutes sortes de lumières et des colombes qui montaient. Et eh bien, c'était vraiment une honte. Il disait, il est né de parents non mariés qui ont affirmé qu'il était né d'une naissance virginale. N'aurait-il pas dû savoir qu'Ésaïe avait dit, dans Ésaïe 9:6, un enfant nous est né. N'aurait-il pas aussi dû savoir que le prophète Ésaïe avait dit, une vierge concevra? Ils auraient dû savoir ces choses. Mais vous voyez, ce qu'il y avait, c'est qu'ils appliquaient ça quelque part très loin dans l'avenir. Et cet homme-là, à leur avis, il ne correspondait pas à la description. Mais il leur a demandé, « Sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont justement elles qui rendent témoignage de mon message. » Non pas ce qu'un théologien avait dit, mais ce que Dieu, sa propre parole, avait dit qu'il arriverait. Amen. C'est pareil maintenant.
Sondez les Écritures, car ce sont elles qui nous disent quelle est l'heure où nous vivons, qui nous disent exactement ce qui arrivera en ce jour-ci. C'est à elles que vous devriez vous fier, car ce sont elles qui rendent témoignage de la personne de Jésus-Christ. En effet, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il est la révélation de la parole pour l'âge. Il ne peut pas en être autrement. Par conséquent, en écoutant l'interprétation de l'homme, il voit la confirmation de la parole de Dieu qui s'est accomplie. Il n'arrive pas à voir ce qu'il en est. En effet, c'est en train d'arriver pendant tout ce temps, mais parce qu'ils écoutent, et Jésus a dit, ce sont des conducteurs aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui leur arrive? Maintenant, souvenez-vous, la Bible a prédit que cet âge ecclésiastique, l'âge de Laodicée, serait aveugle. Il l'avait expulsé de l'Église. Il n'y a aucun autre âge de l'Église où Jésus était à l'extérieur. Mais dans l'âge de l'Église de Laodicée, il était en dehors, cherchant à revenir à l'intérieur. Je me tiens à la porte et je frappe. Il est censé être à l'intérieur. Mais il a dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et tu ne sais pas que tu es aveugle, tu conduis des aveugles, pauvre en esprit, malheureux, misérable, nu, et tu ne le sais pas. Quel est, si un homme était nu dans la rue, misérable, aveugle, et qu'il savait qu'il a assez de bon sens pour qu'on puisse lui dire qu'il est nu, il essaierait d'y changer quelque chose. Mais quand il secoue la tête et dit, « Je ne veux pas de ça. Qui es-tu pour me dire ce qu'il faut faire? Je sais où j'en suis. » Or, si ça, ce n'est pas un état lamentable, je ne sais pas. Et c'est exactement là que le Dieu de cette Bible a dit que l'Église se retrouverait dans cet âge mauvais maintenant même, dans ce dernier âge de l'Église où nous vivons. Remarquez, mais quant aux gens, moi je reprends tout ce que j'aime. Alors, si vous êtes repris par le Seigneur à cause de ce que vous faites, sortez-en donc. Éloignez-vous-en. Moi je reprends tout ce que j'aime. Alors, en voyant Dieu, or, qu'est-ce qui se serait passé si ces pharisiens avaient dit, « Attendez une minute, cet homme-là nous a lancé tout un défi. » Il a dit, « Sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Elles rendent témoignage de moi. Je ferais mieux de consulter les Écritures pour voir ce qu'il est censé faire, qui il est, ce qui est censé arriver. Je devrais les consulter pour voir ce qu'il en est. » Au lieu de ça, ils se sont adressés aux sacrificateurs et ils leur ont demandé, « Qu'en est-il ? » Vous voyez la différence? Ils auraient dû être occupés à lire la parole. Dans Hébreux 1:1, la Bible dit, « Dieu à plusieurs époques, c'est-à-dire à des époques anciennes, et de plusieurs manières, a écrit la Bible par les prophètes. » Maintenant, remarquez, il a écrit la Bible par le moyen qu'il a lui-même choisi. Voyez? Or, il n'était pas obligé de l'écrire par ce moyen-là. Et il n'était pas non plus obligé de sauver l'homme par le sang. Il n'était pas obligé de prêcher l'Évangile par l'homme. Il aurait pu laisser le soleil, ou la lune, ou les étoiles prêcher l'Évangile. Il aurait pu laisser les vents chantonner l'Évangile. Mais il a choisi l'homme. Et il a choisi le moyen par lequel sa parole allait venir. Et c'était par ses prophètes, qui ont été prédestinés et désignés d'avance. Ils étaient une partie de la parole de Dieu. Ils proclamaient la révélation de sa parole à leur âge et à leur époque. Car la parole de Dieu est venue aux prophètes, et à eux seuls. Jamais elle ne vient à un théologien. Montrez-moi le passage de l'Écriture. Elle vient uniquement aux prophètes. Dieu ne peut pas mentir. Donc, Dieu a écrit la Bible en utilisant la méthode qu'il avait choisie. Et par les prophètes qu'il avait lui-même choisis. Non pas les prophètes que l'homme avait choisis, mais les prophètes que Dieu avait choisis. Alors ceux qui la croient guettent l'accomplissement de ce que leur prophète a dit. Et c'est ce qui les identifie comme prophètes de Dieu. Parce que, d'abord, ils sont inspirés. Ensuite, ils s'en tiennent strictement à la parole de l'heure. Alors, ces références, c'est ça.
Voyez-vous, nous avons vu ça dimanche dernier. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Et pour l'illustrer, nous avons cité l'exemple de Balaam et Moïse. Tous les deux, ils étaient oints du même esprit. L'un d'eux a dit, « Nous sommes tous un. Allons, unissons-nous, mettons nos filles et tout ensemble. Nous avons des jolies filles par ici. Et vous, les jeunes gens, venez ici et choisissez-vous une belle épouse. Il n'y a pas de mal à ça. Nous sommes tous un seul peuple, de toute façon, la même race. » Dieu ne leur a jamais pardonné ça. Ils ont écouté ça. Voyez-vous, le monde, les gens, ils cherchent une petite issue, un petit détour, un petit raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Il y a un seul patron. Vous devez vous tailler pour vous ajuster à ce patron-là, et non pas essayer de tailler le patron pour qu'il s'ajuste à vous. Tout le monde doit faire ça. C'est la seule manière de faire de Dieu. Remarquez, donc les croyants attendent la confirmation de cette parole. Voyez-vous, elle n'a pas été écrite par l'homme, mais par le Seigneur Dieu. Donc, elle n'est pas un livre de l'homme. Quelqu'un disait, ce ne sont que des anciens écrits hébreux. Les Hébreux auraient-ils écrit une lettre qui les condamnait? Cette belle nation qu'étaient les Juifs, prétentieux et raffinés, auraient-ils écrit leurs propres iniquités, se condamnant eux-mêmes? Bien sûr que non. Raconter ses propres péchés, qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, qu'ils ont commis des fornications contre la parole de Dieu? Non, non, ils n'auraient jamais raconté ça, cette nation fière. Ce n'est pas un livre de l'homme, c'est un livre de Dieu. Et l'homme qui voit les visions ou qui entend la voix de Dieu, il ne l'a jamais compris, bien des fois, lui-même, dans bien des cas. Voyez, ce n'est pas l'homme qui a écrit la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées à travers des lèvres humaines. C'est ce qui fait que c'est la Bible. Une pensée exprimée, c'est une parole. Et au commencement était la pensée de Dieu. Il l'a exprimée à travers les lèvres de ses prophètes. Elle l'a confirmée par ses serviteurs. Voyez, remarquez, c'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-le, il établit la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Voyez-vous, il détermine son style, tout ce qu'il fait. Il détermine ce qu'il est, instruit ou sans instruction. Il détermine les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, et le message. Pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise. Pour qu'elle arrive, il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, quel que soit le nombre de réalisations humaines, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il l'ait prédestiné à être un autre genre d'homme. Tout ce qu'il est, il lui donne sa classe, ses dons, il lui donne sa nature, son style, et tout ce qu'il peut y avoir, comment il s'exprime, et tout ce qu'il fait. Il façonne l'homme de l'heure de façon à attraper le peuple de l'heure. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. À la fin de chaque âge, une fois que l'Église s'est tournée vers le monde et vers le péché, et qu'elle s'appuie sur une interprétation humaine de la parole, comme ils le font toujours, à la fin de chaque âge, ils se retrouvent dans un tel fouillis à cause de leurs théologiens et de leurs prêtres, que c'est toujours un gâchis. Leur interprétation est toujours fausse. Pas une seule fois, elle n'a manqué d'être fausse. Et pas une seule fois, la parole de Dieu n'a manqué d'être vraie. Voilà la différence. Alors, vous voyez, Dieu a écrit la Bible lui-même. Or, Dieu peut parler. Moïse a dit qu'il lui avait parlé. Jérémie a dit, il a mis des paroles dans ma bouche. Et Dieu peut écrire. Il a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Il a écrit sur les murailles de Babylone. Et souvenez-vous, rien que dans l'Ancien Testament, 2000 fois, les prophètes ont dit, « Ainsi dit le Seigneur. » Dieu peut parler, Dieu peut écrire, certainement. Presque 90% de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les propres paroles de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui parle. Alors, si Dieu peut écrire, si Dieu peut lire, si Dieu peut parler,
Ne peut-il pas en amener d'autres à faire la même chose? N'a-t-il pas dit à Moïse, « Qui rend l'homme muet ou qui lui donne de parler ?» Dieu a écrit la Bible par les prophètes. C'est sa manière de le faire. Maintenant, chaque fois que l'Église s'embrouille, et Dieu savait d'avance que c'est ce qui leur arriverait, car il connaissait tout d'avance. C'est pour cette raison qu'il a là son prophète, celui qu'il a préparé pour cet âge-là, pour rappeler ceux de son élection, par sa parole confirmée, par des signes et des prodiges, et par la confirmation de sa parole, en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnent, comme il l'a promis. Il donne la véritable interprétation après que le prophète lui-même a été confirmé. Tous le haïssent, excepté les élus, ceux à qui il est envoyé. Maintenant, examinez chaque cas et voyez si c'est vrai ou pas. Seulement ceux à qui il est envoyé. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Remarquez, aucun, chaque examen de la parole, dans chaque cas et à la fin de chaque âge, ou au point culminant ou à la jonction, comme j'ai prêché là-dessus bien des fois. Considérez l'âge de Noé, au point culminant avant le jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé, c'est seulement sa propre famille qui a cru cet homme. Les autres l'ont critiqué et le monde entier a été détruit. Du temps d'Abraham, il n'y a que le groupe d'Abraham qui a cru. Quand les anges sont allés prêcher à Sodome, il n'y a que Lot avec sa femme et ses deux filles qui sont sorties. Et elle s'est retournée et est devenue une statue de sel. Du temps de Moïse, il n'y a que les élus d'Israël qui sont sortis. Et Pharaon le haïssait. Du temps d'Élie, tous, presque, excepté 7000 hommes, tous le haïssaient, la nation tout entière. Du temps de Jérémie, eh bien, ils lui ont jeté des fruits non mûrs et l'ont traité de fanatique parce qu'il s'était couché pendant tant de jours sur un côté, puis sur l'autre, et qu'il avait pris des choses pour faire des symboles. Ils le haïssaient. Ésaïe, le prophète, il a tellement condamné cette race-là qu'ils l'ont scié en deux avec une scie. C'est vrai. Jean-Baptiste, c'était une espèce de barbare là-bas, un fou qui criait à tue-tête. Tous, sauf ses disciples qu'il a présentés à Jésus-Christ comme Église. Voilà, c'est ça. Jean avait préparé un peuple. Combien en a-t-il eu? On pouvait les compter sur les deux doigts, les deux mains, sur vos doigts, le nombre de ceux que Jean a présentés à Jésus quand il est venu. Maintenant, qu'en est-il de sa seconde venue? Pensez-y. Mais quand les véritables croyants de la Bible voient la parole confirmée si clairement pour l'âge, ils croient. Il n'y a pas moyen de les en empêcher d'y croire. Ils scellent même leur témoignage de leur sang. Ils y croient. C'est pour ceux-là, les prédestinés, ceux pour cet âge-là qui voient et qui croient. Les autres ne peuvent tout simplement pas voir ce qu'il en est. Ils sont aveuglés. Maintenant, vous dites, ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est? Bon, par exemple, Balaam. Pourquoi Balaam ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Lui qui était un prophète, ouin. Pourquoi Pharaon ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Quand il a vu la main de Dieu descendre et accomplir des miracles là-bas, alors ça n'a fait qu'endurcir son cœur. Pas vrai? Pourquoi Dathan ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Alors qu'il était lui-même un juif. Il était là, il avait traversé la mer morte, il avait mangé la manne fraîche qui tombait tous les soirs, et il ne pouvait toujours pas voir ce qu'il en était. Pourquoi Corée n'a-t-il pas vu ce qu'il en était? Pourquoi Caïphe n'a-t-il pas vu ce qu'il en était? C'était lui le chef religieux du monde en ce temps-là. Pourquoi n'a-t-il pas vu que c'était là le Messie? Pourquoi Judas n'a-t-il pas vu ça? Judas était là, avec eux. Il marchait avec eux. Il accomplissait des miracles avec eux. Mais il fallait que la parole s'accomplisse. La Bible dit qu'ils ont été suscités pour prendre cette position-là. Ils ont été suscités dans ce but-là. C'est vrai, c'est ce qui est dit dans Romains 8.
Or, les croyants peuvent voir que la parole est faite chair dans leur génération, que Dieu parle. Maintenant, c'est vrai, c'est véritable croyant. C'est 7000, ou est-ce que c'était 700? Du temps d'Élie, c'est bien 7000. Du temps d'Élie, il y a eu 7000 hommes sur environ 2 ou 3 millions qui ont vu que c'était vrai. Pas même un centième du peuple, pratiquement. Mais ceux-là ont vu que c'était vrai. Ils ont vu Dieu manifester. Cette pauvre veuve à qui Élisée a été envoyée, elle était allée ramasser ses morceaux de bois pour faire un gâteau, avec juste ce qu'il fallait pour faire un gâteau pour elle et pour son fils, après quoi il mourait. Mais observez Élie, il a dit, « Fais-moi un premièrement, car ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra point et la cruche ne séchera point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Sans poser de questions, elle est tout de suite allée faire le gâteau pour le lui donner. Il avait dit, « Fais le mien premièrement, et ensuite, va en faire un pour toi et pour ton fils. » En effet, elle avait écouté cet homme-là, elle l'avait regardé, elle était une semence prédestinée. Beaucoup de gens disaient, « Voilà encore ce vieux détraqué, c'est à cause de lui que Dieu nous a maudits. » Souvenez-vous, Élie, il avait dit, « C'est toi qui jettes le trouble en Israël. » Il a dit, « C'est plutôt toi qui as troublé Israël. » Voyez-vous qui Dieu, de qui il confirmait la parole? Sa propre parole. Donc, la Bible dit qu'ils ont été suscités dans ce but. Mais quand l'incroyant... Mais maintenant, quand le véritable croyant voit la parole de l'âge faite chair, Dieu qui parle à travers des lèvres humaines et ensuite qui accomplit exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, ça règle la question. Maintenant, regardez tout ce qui s'ensuit. Ne regardez pas aux signes. Si vous regardez aux signes, vous serez dupés, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Des faux prophètes s'élèveront et feront des signes et des prodiges qui séduiraient les élus si c'était possible. Regardez à la parole. Regardez ces sacrificateurs, ces prophètes, ce prophète hébreu qui se tenait là, Cédésias, avec 2 énormes cornes. Il disait, « Je suis un prophète ordonné de Dieu. » C'est vrai. J'en ai 399 ici même avec moi. Et le Saint-Esprit est sur nous, qui confirme et qui déclare que ce pays nous appartient. Montons et emparons-nous-en. Et par ces cornes-ci, Achab, tu repousseras l'ennemi hors de notre territoire. Car Dieu nous a donné ce territoire. Observez cet homme religieux, ce brave homme, Josaphat. Il a dit, n'en aurais-tu pas encore un autre? Un autre? Il y en a là 400 qui sont d'accord. Il a dit, oui, il y en a encore un autre par ici, mais je le hais. Il a dit, il est toujours en train de nous engueuler et de nous dire combien nous sommes de grands pécheurs et tout. Il a dit, je le hais, c'est Miché, fils de Jimla. Il a dit, oh, que le roi ne parle pas ainsi, va le chercher, écoutons ce qu'il a à dire. Ils l'ont amené là-bas. Il a dit, accorde-moi cette nuit et je verrai ce que le Seigneur en dira. Achab a dit, je t'adjure de ne me dire que la vérité. Et l'homme qui était venu, il avait dit, « Bon, si tu veux retrouver la bonne communion, dis exactement comme les autres. » Miché a dit, « Je ne dirai que ce que Dieu dira. » Voyez, le lendemain matin, ils se sont présentés là. Les rois ont revêtu leurs robes. Ils se sont assis à la porte. Toutes les célébrités. Le prophète était là. Ils ont dit, « Maintenant toi, le fanatique, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus » Il a dit, « Monte !» Il a dit, « Mais j'ai vu Israël dispersé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Il a frappé de sa main, il l'a frappé sur la bouche. Le prophète a frappé le prophète sur la bouche. Or, des deux côtés, les prophètes oints qui se tenaient là, ils ont prophétisé. 400 contre 1. Ça semblait bien convaincant. Or, le salut n'est pas toujours dans le grand nombre des conseillers. Ça dépend de ce sur quoi ils conseillent, de ce qu'est leur conseil. Il n'y avait pas de salut pour le roi là-dedans. Il a tenu pour vrai ce que ce grand nombre conseillait. Mais s'il s'était seulement arrêté et qu'il avait déroulé le rouleau, qu'il avait regardé ce qu'Élie venait de dire, alors Miché ne pouvait rien dire. Il ne savait pas. Peut-être que là, Dieu le lui avait pardonné. Mais d'abord, comme il était prophète, il s'est adressé à Dieu pour voir ce que Dieu dirait. Et il a vu ce que Dieu disait.
Il a dit, j'ai vu Dieu assis sur un trône. Et il a dit, entouré de tous ses conseillers du ciel, il a dit, qui pouvons-nous faire descendre pour ramener Achab, aller là-bas, afin que nous puissions ainsi accomplir la prophétie faite à son sujet? Voyez-vous, la prophétie, Élie avait déjà dit, les chiens lécheront ton sang. Et alors, il a dit qu'il avait vu un esprit de mensonge monter d'en dessous, monter, se présenter devant lui et dire, « Moi, je descendrai et j'entrerai dans ces prophètes, les prophètes d'Achab, et je leur ferai prophétiser un mensonge. » Bon, Dieu savait que ces hommes-là étaient tellement enflés d'orgueil et tellement remplis de théologie qu'ils pensaient avoir raison sur toute la ligne. Ils n'avaient jamais prêté attention à la parole de l'heure. Alors Dieu a dit, « Tu réussiras, vas-y, descends. » Et quand Michée a eu dit ça, alors forcément qu'eux prophétisaient sous l'influence d'un mauvais esprit. Ils auraient tout de suite débranché le téléphone, ou ils auraient éteint la radio, ou ils auraient fait n'importe quoi, d'entendre cela être dit carrément contre eux. Ils se seraient levés et ils seraient sortis. Mais regardez ce qui est arrivé. Il a fallu que Michée vérifie sa vision par la parole écrite. C'est comme ça qu'il a su. Il a dit, « Quand je viendrai, mettez cet homme en prison, donnez-lui les eaux de l'affliction et le pain de l'affliction. Quand je reviendrai, il aura affaire à moi. » Il a dit, « Si jamais tu reviens, Dieu ne m'a point parlé. » Ça, c'est quand il sait que sa vision est tout à fait conforme à chaque parole qui s'applique à cette heure-là. Le temps était venu pour Achab. Frère, sœur, maintenant c'est l'heure et le temps de l'appel à sortir de Babylone. Les lumières du soir sont ici. Marchez dans la lumière pendant qu'il fait clair. Remarquez, les croyants ont vu la parole manifestée et ils la croient. Jésus a dit, « Mes brebis connaissent ma voix, ma parole, mes signes pour l'âge. Celui qui est faux, elles ne le suivront pas. » Maintenant, venons-en à notre texte, parce que je vois que je vais m'éloigner. Je veux mettre l'accent plus particulièrement sur la ligne de prière. Revenons maintenant au texte que nous contemplons ici pendant une minute. Eh bien, ça se reproduira de nouveau comme toujours. Dieu a envoyé son prophète, Jean, comme sa parole l'avait annoncé, promis, dans Malachie 3. « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Et Jean a rendu témoignage de ça. Et nous voyons aussi dans Ésaïe 43 qu'Ésaïe avait dit, « Il y aura la voix d'un prophète, de celui qui criera dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Voyez? Toutes ces prophéties, et regardez, remarquez rapidement, l'Écriture l'identifiait. Quand ils ont dit, « Qui es-tu? Es-tu le Messie? » Il a dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu Jérémie, les prophètes ou l'un d'eux ?» Il a dit, « Je ne le suis pas. » Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme le dit le prophète Ésaïe. Pensez-vous qu'ils allaient croire ça? Non, monsieur. Pourquoi? Il n'était pas venu de leur église. Il n'était pas de leur... Voyez-vous, il est allé au désert à l'âge de 9 ans et il en est ressorti à 30. Son message était trop important pour qu'il passe par une école de théologie. Il était celui qui allait présenter le Messie. Et tout le monde aurait cherché à l'entraîner dans cette direction-ci et dans cette direction-là. Alors Dieu l'a envoyé au désert après la mort de son père, Zacharie. Celui-ci était un sacrificateur, mais lui n'a jamais suivi la voie de son père. En effet, les prophètes ne sortent pas de ce genre de choses-là. Ils viennent des terres raboteuses, du désert. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment ils apparaissent sur la scène, ni rien de leur histoire. Ils surgissent tout d'un coup et ils prêchent la parole. Puis Dieu les retire et ils s'en vont. Ils condamnent cette génération-là et continuent à avancer avec sa parole, en attendant le grand jour. L'Église ne l'a pas cru parce qu'il leur était inconnu. Leur registre ne faisait mention nulle part de son ordination et donc ils l'ont rejeté. Voyez-vous, ils n'ont pas cru la parole de Dieu confirmée clairement, à la lettre. Voyez, Malachie 3, deux passages de l'Écriture pour le confirmer. Malachie 3 et Ésaïe 43.
Voyez-vous, ces deux passages de l'Écriture parlaient d'un homme qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Il correspondait en tout point à cette description. Il allait être un prophète. Je vous enverrai Élisée. Et il était là, tout rude. Observez comme sa nature s'accordait avec celle d'Élie. Élie était un homme du désert. Jean l'était aussi, du grand air. Ce n'était pas un homme raffiné, c'était un homme rude. Remarquez encore, Élie était un misogyne. Il a parlé à Jézabel de tout son maquillage et il l'a vraiment remise à sa place. Jean l'était aussi. Jézabel a essayé de tuer Élie. Elle a juré par ses dieux qu'elle le décapiterait. Hérodias a fait pareil. Voyez, observez toujours leur message. Observez ce qu'ils faisaient. Or, nous voyons que s'ils avaient regardé en arrière pour voir ce que la Bible avait dit et qu'ils avaient observé la nature de l'homme et comme il était venu exactement au moment précis, selon les Écritures et tout, alors ils auraient dû reconnaître que c'était lui. Environ une demi-douzaine ont reconnu ça. C'est vrai. Pas plus d'une demi-douzaine s'en sont rendus compte. Ils sont allés l'écouter, mais ils n'y ont pas cru. Voyez pourquoi ils n'ont pas cru à l'identification de la prophétie de leur heure. Voyez, remarquez, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont traité de fanatique sauvage, illettré, qui crie à tue-tête, sans instruction, avec ses hit, haint, taught, carry, fetch et tout le reste. Comme toujours, ils l'ont jugé d'après son instruction. Ils l'ont jugé d'après sa grammaire, d'après la façon dont il était habillé. Il portait un morceau de peau de mouton sur lui et une ceinture de peau de chameau. Il était tout poilu. Il marchait dans l'eau. Pas d'église, pas de banc d'église, pas de collaboration. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils adoraient le Dieu du monde. Voyez ? Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de faux prophètes qui se présentent, comme Jambres et Jannès. Mais la façon dont il vous faut procéder, c'est de vérifier le message original par la parole. Et là, ça y est, vous saisissez l'âge dans lequel ça se trouve et ce qui est prophétisé pour cet âge-là. Alors la prophétie de Jean a été confirmée, suivant l'ordre même de Dieu. Regardez bien avec quelle perfection. La Bible dit « La parole du Seigneur vient au prophète ». Et Jésus était la parole. Jean, il était en train de prophétiser que la parole allait venir s'accomplir. Et Jésus, la parole, est venu au prophète dans l'eau. Oh, que c'est beau! Combien infaillible est... Voyez, la parole était une chose rare à cette époque-là. Voici le prophète qui arrive en disant, « Je suis la voix de la parole !» Ils ont dit, « Que devons-nous faire ?» Il a dit, « Je ne suis pas digne de détacher ses souliers, mais il y a quelqu'un quelque part au milieu de vous. Ce sera lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, et on portera le grain au grenier. » Oh, quel prophète ! Jésus a dit qu'il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce jour-là, un homme né d'une femme qui ait été aussi grand que lui. Oh, quelle fougue! Il savait exactement où il en était. Il le savait parfaitement. Dieu lui avait parlé. Et c'était tout à fait conforme à la parole. Alors, il ne s'est pas soucié de ce que les gens disaient. Il l'a prêché et l'a prophétisé quand même. Et observez, quand un homme prend position pour ce qui est la vérité, alors Dieu est dans l'obligation de confirmer cet homme, la vérité. Quand Moïse est descendu en Égypte, il a dit, « J'étais là-bas, au désert, et j'ai vu un arbre en feu. » Et il ne se consumait pas. Je me suis approché de l'arbre, et quand je me suis approché, il y avait une grande colonne de feu dans l'arbre. Et une voix a dit, « Je suis celui qui suis. » Et il m'a dit de prendre ce bâton, de descendre ici et d'accomplir ces miracles. Et Dieu confirmera sa parole. Il a étendu son bâton, et il y a eu des puces, et des mouches, et des ténèbres, et tout. Et alors, pour confirmer ce prophète-là, il a ramené ses croyants tout droit à la montagne. Et Dieu est descendu dans la même colonne de feu, exactement sur la même montagne. Et il a prouvé que c'était vrai. Maintenant, regardez ce qu'il a fait en ce jour-ci. Exactement. Donc, la parole est venue au prophète. Et elle a confirmé qu'il était vraiment la personne même que les Écritures avaient annoncé qu'il serait. Rapidement maintenant, mais encore une fois, Jésus est venu sous une forme différente de celle de leur interprétation humaine de la prophétie. Des hommes avaient interprété ce qu'il en serait, certainement.
Les presbytériens pensent que ce devrait être eux. Regardez bien, quand Dieu fait quelque chose, regardez bien toutes les autres organisations se lever, produire chacune quelque chose. Oui, ça a toujours été comme ça. Ils ont un Jean Bresse et un Jeannès partout. Remarquez, ils ont prononcé une partie de la parole, mais selon la parole du prophète, c'est chaque lettre. Encore là, ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Comme toujours, ils l'ont traité de diseur de bonne aventure, de démon, Belzébul. Et il disait qu'il se faisait lui-même Dieu, alors qu'ils auraient dû reconnaître par leur propre Bible qu'il était Dieu. Remarquez, Ésaïe avait prophétisé à son sujet. Il était dit dans Ésaïe 9, 6, « On appellera son nom le Dieu puissant, le Père éternel. » Il n'y aura plus d'autre Père après ça, parce qu'il a été le premier Père au commencement. Et il est le seul Père. Il a dit, « N'appelez pas non plus un homme de cette terre Père après ça. » Il est le Dieu puissant et le Père éternel, le conseiller, le prince de la paix. Certainement. Or, il l'avait traité comme tous les prophètes avaient prédit qu'il le traiterait. Tout comme ils le font en cet âge même de Laodicée. Ils l'ont expulsé de l'église. Aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Exactement ce que le prophète avait dit, le prophète de la Bible. Aveuglés par des traditions d'hommes, ils l'ont expulsé. Ils ont expulsé la parole de leurs églises, comme toujours, selon ce qui avait été prophétisé à leur sujet. Maintenant, remarquez rapidement là. Maintenant, ne manquez pas ceci. Voici le sujet. Comment Jésus s'est fait connaître à ses deux disciples qu'il était leur Messie. Maintenant, tous les regards par ici et là, dans le pays, ne manquez pas ceci maintenant. Nous avons essayé de vous dire que la Bible est la parole de Dieu, écrite par Dieu lui-même, au moyen de l'homme et à travers ses lèvres. Dieu peut lui-même écrire, Dieu peut lui-même parler. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il a choisi l'homme pour le faire, parce que l'homme qu'il a écrite est une partie de Dieu. Donc c'est Dieu qui a écrit la Bible. Ces hommes ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient, selon leur propre pensée humaine. Ils pouvaient être en désaccord avec cela, mais ils l'écrivaient. Ils ne pouvaient. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes autrefois. Dieu dirigeait leurs mains, dirigeait leurs yeux dans les visions. Ils ne pouvaient dire rien d'autre que ce qu'ils voyaient. Ils ne pouvaient rien prononcer, parce qu'ils avaient un plein contrôle de la langue, du doigt. Tous les organes du corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Pas étonnant que la Bible ait dit qu'ils étaient des dieux. Ils étaient une partie de Dieu. Lui était la plénitude de Dieu. Remarquez comment Jésus, la parole, a amené ses deux disciples au cœur brisé à reconnaître qu'il était leur Messie. Le Messie, la parole promise. Remarquez ce qu'il a fait. Il s'est reporté à la prophétie. Remarquez, hommes sans intelligence, longs à croire tout ce que les prophètes ont écrit. Maintenant, il n'a jamais dit, « Eh bien, qu'est-ce que l'Église dit à ce sujet ?» Il lui avait raconté l'histoire. Il connaissait tous les événements qui étaient arrivés. Ils étaient tout tristes. Ils se sont mis à lui dire, « N'es-tu qu'un étranger ici ? Ou ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem ?» Il a dit, « Quoi donc ?» Comme s'il ne le savait pas. Voyez-vous, des fois, il fait des choses juste pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Voyez ? Il a dit, « Quoi donc ? Qui était-ce ? Qu'est-il arrivé ? N'es-tu qu'un étranger ?» Et ils étaient là à parler à l'homme même avec lequel ils avaient vécu pendant 3 ans et demi. Ils ne l'ont pas reconnu. « Quoi donc ? Qu'est-il arrivé ?» Eh bien, ils ont dit, « Jésus de Nazareth, qui était un prophète. » Il n'y a aucun doute dans notre esprit. Il était puissant en parole et en œuvre devant tout le peuple. Nous l'avons vu faire des choses qui l'ont identifié comme le prophète de Dieu pour cet âge-ci. Nous le savons. Et nous croyons qu'il serait le Rédempteur, qu'il racheterait Israël. Alors il se retourne et il dit, « Vous, hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire que tout ce que les prophètes avaient annoncé à son sujet n'allait pas s'accomplir. » Voyez ? Regardez-le bien, maintenant, se référer à la prophétie. Quelle réprimande pour des croyants qui prétendaient croire en lui.
Remarquez comment il a abordé le sujet. Il ne l'a jamais dit carrément. « C'est moi votre Messie !» Il aurait pu le faire, car il l'était. Mais remarquez, il s'est identifié dans la parole. Alors, il saurait. S'il l'avait dit, il aurait pu dire ça et que ce ne soit pas vrai. Mais là, quand il s'est mis à parler de tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, et qu'ils ont vu ça, alors ils allaient pouvoir le reconnaître eux-mêmes, si c'était des enfants de Dieu. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient prédit, et ce à quoi ils avaient dit qu'il fallait s'attendre au moment où le Messie, où son âge allait se manifester. Lui, comme Jean, a laissé la parole, la Bible, identifier leur message. C'est ce que tout vrai prophète ferait. Il n'a pas dit carrément « C'est moi, je suis ». Ça, ce n'est pas un vrai prophète de Dieu, voyez. Mais il a dit « Référez-vous aux Écritures ». Voyez-vous, il ne manque jamais de procéder selon sa manière de faire. Voyez. Il disait « Nous connaissons Moïse ». Il a dit « Si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez ». Il a dit « Moïse a écrit à mon sujet ». Il a dit « Sondez l'Écriture, vous pensez avoir en elle la vie éternelle, et c'est l'Écriture qui rend témoignage de moi. Allez consulter l'Écriture et voyez ce qu'il en est. » Ici, il ne change jamais de manière de faire. Il ne l'a jamais changé. Il ne peut jamais changer, parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Voyez. Remarquez, tout de suite il s'est tourné vers ses deux disciples, Cléopas et son ami, en chemin vers Emmaüs. Et il a dit, il s'est reporté aux Écritures en s'adressant à eux. Il a dit, « Pourquoi êtes-vous dépourvus d'intelligence, au point de ne pas croire que chaque parole que les prophètes ont écrite au sujet du Messie allait devoir s'accomplir ?» Oh, quel jour ! Jean a fait la même chose. Sondez les Écritures, reportez-vous-y. Il y est dit qu'il y aurait une voix de celui qui crierait dans le désert. D'où suis-je venu ? Voyez ? Ça, c'est... Ça aurait dû rendre la chose claire pour eux. C'est vrai. Ça devrait rendre la chose claire aujourd'hui. Ce que nous voyons le Saint-Esprit faire. À un moment donné, il a dit, « Sondez les Écritures. » Et nous, il veut que nous le fassions aujourd'hui. Remarquez, il a commencé par la prophétie de Moïse. La Bible dit, « Il commençant par Moïse et par tous les prophètes. » Mais il a commencé par Moïse. Un prophète, Moïse avait dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera du milieu de vous, du milieu du peuple. Le Seigneur Dieu suscitera un prophète. » Maintenant, il se pourrait qu'il ait dit, « Cléopas, toi et ton ami ici, est-ce que Moïse n'a pas dit qu'à cette époque-ci, le Seigneur Dieu allait susciter un prophète ?» Et cet homme qu'ils ont crucifié, est-ce qu'il remplissait cette condition ? Or, Moïse avait prophétisé ça. Et maintenant, vous n'avez pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines d'années. Et voilà cet homme qui arrive. Et quel était le précurseur de cet homme, selon vos dires ? Vous saisissez ? Et tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, pour son âge, il le leur a dit. Il aurait certainement été intéressant de l'écouter. N'auriez-vous pas aimé l'entendre ? J'aurais aimé l'entendre, parler de ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Mais il n'a jamais dit qu'il s'agissait de lui. Il leur a simplement montré par les prophéties. Il a simplement dit, « Le prophète a dit que ceci arriverait. » Voyez ? Retournons donc en arrière pendant quelques minutes. Écoutons maintenant les paroles qu'il a lui-même citées. Regardez bien ici, c'est la parole elle-même qui cite la parole qui le concerne, lui. La parole elle-même cite la parole qui le concerne, lui. Sans leur dire qu'il était celui-là, mais en laissant simplement la parole parler d'elle-même. Alors ils reconnaîtraient qui il était. La lettre de la parole citant la parole dans... La parole dans la chair citant la parole sous forme de lettre qui s'identifiait pleinement avec lui. Regardez bien maintenant, écoutons-le, il cite. Comment ? Bon, nous savons qu'ils avaient été mis bien au courant des derniers événements, à savoir la crucifixion et l'histoire de la résurrection du sépulcre, comme nous venons de les lire. Maintenant, il va tout droit à la parole de prophétie qui le concerne. Maintenant, supposons qu'il ait dit ceci. Il a dit beaucoup plus que ceci, mais observez. Disons qu'il... que nous l'entendions dire, prenez Zacharie 11:12. Le Messie ne devait-il donc pas être vendu, selon le prophète, pour 30 pièces d'argent ?
Vous venez de dire que cet homme a été vendu pour 30 pièces d'argent. Prenez, est-ce que vous notez ces passages de l'Écriture? Zacharie 11, 12. Et ensuite, il a dit, avez-vous remarqué ce que David a dit dans les psaumes, le psaume 41, 9, il allait être trahi par ses amis. Et puis encore, dans Zacharie 13, 7, il a été abandonné par ses disciples. Et dans le psaume 35, 11, accusé par de faux témoins. Vous venez de dire qu'il a été. Ésaïe 53, 7, il était muet devant ses accusateurs. Ésaïe 50, 6, on l'a flagellé, a dit le prophète. Psaume 22, il devait s'écrier sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce qu'il l'a fait avant-hier après-midi? Encore au psaume 22, 18, ils se sont partagés ses vêtements. Est-ce qu'ils l'ont fait? Et le psaume 22, 7 à 8, ses ennemis, l'Église, se sont moqués de lui. Encore au psaume 22, aucun os de son corps ne devait être brisé, mais ils ont percé mes mains et mes pieds, il a dit. En tenant ses mains derrière lui sans doute à ce moment-là. Ésaïe 53, 12 dit qu'il mourait entre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 9 dit qu'il a été enseveli parmi les riches. Le psaume 16, 10 dit « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. » Et Malachi 3, n'a-t-il pas été le précurseur de cet homme? Oh, que j'aurais aimé l'entendre citer ça! Regardez les prophéties. Remarquez, et puis il y a tous les types qu'il a peut-être parcourus. Isaac dans Genèse 22, Dieu avait préfiguré par Isaac comment Abraham le père avait pris son propre fils, lequel avait porté le bois jusqu'au sommet de la colline, et il avait offert son propre fils. Maintenant, ça commençait à les pénétrer. Il leur avait déjà dit qu'ils étaient des hommes sans intelligence pour n'avoir pas considéré la prophétie qui s'appliquait à ce jour-là. Et maintenant, ça commençait à pénétrer. Ils ont commencé à voir l'accomplissement de toutes ces choses qui étaient arrivées dans les quelques derniers jours, dans les deux ou trois dernières années. La prophétie pour cet âge, confirmée. C'est alors qu'ils ont reconnu que leur ami crucifié, Jésus, en avait accompli chaque parole. Oh, c'est alors qu'ils ont reconnu que cet homme-là était vraiment le Messie, qu'il devait ressusciter des morts. La tombe ne pouvait pas le retenir. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Il n'y a pas une seule parole de prophétie qui puisse jamais faillir. Il est bel et bien ressuscité. Donc ces messagers qui étaient au sépulcre ce matin avaient raison. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est bien le Messie. Pourquoi? Ne manquez pas ceci. Ses actions, son ministère et tout ce qu'il a fait a été confirmé comme l'accomplissement des paroles exactes que le prophète avait annoncées pour ce jour-ci. Avec ça, c'est accompli. Alors, ils ont reconnu que c'était lui, leur ami crucifié, Jésus, qui avait accompli ça. Pas étonnant que leur cœur ait brûlé au-dedans d'eux lorsqu'il leur parlait. Maintenant, ils avaient fait 6 000 à pied et ça semblait être peu de temps. Et voici une autre chose qu'ils avaient faite. Vous savez, ils avaient entendu une prédication de 6 heures sur la prophétie confirmée. C'est de ça qu'il leur a parlé en cours de route. Dès qu'ils se sont mis en route, tout de suite il est apparu, car il était là même à Jérusalem. 6 heures tard, plus tard, ils étaient à 60 stades. Ils avaient parcouru 6 000 sur la route, jusqu'à Emmaüs. C'est à ça que ça correspond. Et il avait prêché sur la prophétie confirmée pendant 6 heures. Alors, ne me condamnez pas que je prêche 3 heures, voyez-vous. Voyez? Mais remarquez, ils avaient prêché, ils avaient entendu une prédication de 6 heures sur la prophétie prouvée, confirmée. Maintenant, le temps du soir approchait. Vous savez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est alors qu'il leur a ouvert les yeux pour qu'ils reconnaissent que Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au temps du soir, les événements sont rendus clairs par la prophétie. Ce qui se passe en cette heure contemporaine peut facilement être identifié si seulement vous croyez la prophétie de l'heure. Oui, hommes sans intelligence, lents à comprendre, lents à croire, vous êtes toujours en réflexion là-dessus, à croire que tout ce que les prophètes avaient dit au sujet du Messie, ne fallait-il pas que ça se produise ? Alors, il a repris tous ces points et il a montré ce que le prophète avait annoncé comme devant se produire. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre. Alors, il a dit, il a fait comme s'il allait continuer son chemin. Ils l'aimaient bien, cet homme. Ils ont dit, tu nous as appris quelque chose. Nous n'avions jamais pensé à ça. Il est vivant quelque part. Ils étaient en train de lui parler. Ils ne le savaient pas. Alors, Et sans doute qu'il les a regardés avec tristesse et il s'est mis à poursuivre sa route. Mais il attendait qu'il l'invite. C'est ce qu'il attend ce soir, que vous l'invitiez. Remarquez, quand ses disciples l'ont eu invité à prendre part à leur communion autour de la table, c'est alors qu'il a fait quelque chose exactement comme il l'avait fait avant sa crucifixion. Et leurs yeux se sont ouverts. Ils connaissaient sa façon de faire, son style. Ils connaissaient ses gestes. Et il a fait là exactement comme il avait fait auparavant. Et ils ont dit, « C'est lui !» Et ils se sont levés promptement pour le proclamer à grands cris, et il est disparu. Et alors qu'ils avaient mis 6 heures à écouter cette prédication, peut-être qu'en 20 minutes, ils étaient retournés d'un pas léger pour dire aux autres, « Il est réellement ressuscité, il est vraiment vivant !» Mes amis, ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 17, de Jean 15, oh, de tant d'Apocalypse 10, de tant de prophéties qui peuvent être rattachées avec précision à ce jour-ci. Et aussi dans le livre de Marc et dans Matthieu, où il a dit qu'il y aurait ces grands signes et prodiges qui apparaîtraient dans le ciel. Et les gens appellent ça des soucoupes volantes. Elles peuvent disparaître par la puissance et à la vitesse de la pensée. Une intelligence qui peut venir là. Il peut écrire, il peut parler, il peut faire ce qu'il veut. La grande colonne de feu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et des phénomènes qui se produisent sur la terre. Des pyramides de fumée qui montent dans l'air très haut, là où il ne peut y avoir de l'humidité ni rien, à 30 000 d'altitude. Il avait été prédit 1 an et demi avant que ça arrive, qu'il en serait ainsi. Ensuite, tournez la photo et voyez qui est celui qui regarde en bas. Il n'y a pas une parole qui ait jamais failli de tout ce qui a été annoncé. Et voici la parole écrite de Dieu qui confirme que c'est la vérité. Et c'est de nouveau le temps du soir. Je me demande s'il voudrait bien revenir par sa grâce ce soir et faire quelque chose maintenant comme il l'avait fait à l'époque. Prions et demandons-le lui. Les événements rendus clairs par la prophétie confirmée. Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-nous, Dieu bien-aimé, à comprendre les choses que nous devrions connaître, à comprendre ta parole. Et maintenant, Seigneur, nous avons entendu des prédications depuis près de 2000 ans maintenant, des choses écrites dans des livres. Et en ces derniers jours, voici que c'est redescendu peu à peu jusque-là. Et maintenant, le temps du soir approche. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et beaucoup d'autres, au cours des âges, ont parlé avec toi. Et peut-être tout simplement sur le chemin de ce grand jour, qui n'a été ni jour ni nuit, comme l'a dit le prophète. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Jésus est ressuscité de la tombe. Il est apparu à Simon et aux femmes.
et leur a montré qu'il était vivant. C'était le matin. Et puis le soir, il est encore revenu. Mais tout au long du jour, il a quand même marché avec eux, leur reprochant leur aveuglement. Mais ensuite, il s'est fait connaître à eux au temps du soir. Ô Dieu, viens prendre part à notre communion ce soir, que nous avons autour de la parole. Ô Dieu, les gens ont tant de peine à croire ceci aujourd'hui, mais je suis reconnaissant qu'il y en ait que tu as appelé et que tu as destiné à la vie éternelle. Et tu as dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et maintenant, alors que les lumières du soir brillent, alors que tu n'as pas permis, Seigneur, qu'une seule prophétie sur les centaines qui ont été données faillisse, pas une seule fois, alors, assurément, que si cela établit une identité, ça ne peut être que toi, parce que personne ne pourrait être aussi précis. Tout comme la Bible, aucun homme ne pourrait écrire, personne, dans l'espace de 1600 ans, avec 40 écrivains différents, ne pourrait écrire sans qu'il s'y trouve une seule erreur. Dieu bien-aimé, je te prie de te manifester ce soir, comme Hébreux 13:8, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les œuvres que tu avais faites à l'époque, tu les fais aujourd'hui. Et tu l'as promis. Tu as dit qu'en ces derniers jours, alors que le monde se retrouve dans le même état que Sodome et Gomorre, la perversion, nous voyons ces garçons, ils ressemblent tant aux filles, ils s'habillent comme elles, et nous voyons les filles qui essayent de se comporter comme des garçons. Et nous voyons les femmes et les hommes dans cet âge perverti. Nous voyons que le sex appeal est devenu une idole qu'on adore. L'évangile a été poussé de côté et la nudité introduite dans l'église de Laodicée. Oh Dieu, quelle heure! Viens Seigneur Jésus, fais-toi connaître à nous. Car nous le demandons au nom de Jésus. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée et les yeux fermés, je vais vous demander quelque chose. Croyez-vous que Dieu est ici? Croyez-vous que les choses que ceci produit aujourd'hui, c'est la prophétie accomplie? Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Croyez-vous que, quand il était ici et qu'il s'est manifesté dans la chair pour ce jour-là, et les œuvres qu'il avait accomplies là-bas, que cela devait se répéter de nouveau en ce jour-ci? Le prophète l'a dit, la Bible l'a dit, toute l'Écriture doit s'accomplir, elle ne peut pas faillir. Comment s'est-il identifié? En ce qu'il était ce prophète dont Moïse avait parlé. Il connaissait les secrets des cœurs des gens. La femme a touché son vêtement, il s'est retourné et il a dit, « Ta foi t'a sauvé ». Quand Simon-Pierre s'est avancé vers lui, il savait son nom. Il lui a dit qui était son père. Et ce même aimable Jésus n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. Que Dieu soit loué. Et je crois que maintenant, en ce temps du soir, il nous a de nouveau réunis. Ô Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Ne passe pas près de nous sans t'arrêter. Viens, reste toute la nuit avec nous, jusqu'à ce que cette nuit soit passée. Puis permets-nous de repartir avec toi demain, pour que nous puissions te connaître dans la puissance de ta résurrection, pour que ton amour, ta grâce et ta miséricorde puissent être avec nous. Ô Dieu éternel, accorde ces choses. Nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse les accorder. Dans la solennité de cette heure, que nous disions ceci, Dieu notre Père, notre chair est une piètre demeure pour toi. Mais Seigneur, que ta grâce sanctifiante, que ton Saint-Esprit vienne maintenant. Purifie-nous de tout doute et de toute frustration, de tout soupçon et de toute trace de scepticisme qui pourrait se trouver en nous, pour que nous puissions être libres, en n'ayant aucun doute, que nous confessions avec assurance comme Pierre, « Tu es le Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur. Permets-nous simplement de voir, avant de commencer cette ligne de prière, Seigneur, fais-toi connaître à nous. Comme tu l'as dit, ce qui arriva du temps de Lot, alors qu'Abraham, ce groupe appelé à sortir, attendait un fils promis. Lot était là-bas à écouter un Billy Graham contemporain
et un Oral Roberts qui s'adressait à cette dénomination établie là-bas comme une nation. Mais Abraham était un résident temporaire, sans organisation, seulement ce petit groupe qui allait çà et là dans le pays qu'il devait hériter. Et ceux qui sont doux hériteront la terre. Un jour, à l'ombre d'un arbre, pendant qu'ils étaient assis à se reposer, Dieu est descendu sous la forme d'un homme. Deux anges sont descendus à Sodome. Et Dieu, dans la chair humaine, a prouvé que c'était lui. Il a dit, « Abraham, où est ta femme Sarah ?» Quelques jours auparavant, il était Abraham. Et S-A-R-A-I, Sarai, non pas Sarah, princesse. Et tu l'as appelée par son nom de princesse, la fille d'un roi. Tu as appelé Abraham par son nom, Abraham, père de nation. Et tu as dit, « Je vais te visiter. » Oh Dieu, comme le cœur de ce prophète a dû bondir. Il a reconnu qui tu étais juste à ce moment-là. Ce n'est pas étonnant qu'il t'ait lavé les pieds, qu'il ait sorti toute la nourriture qu'il avait, la meilleure, et qu'il ait mise devant toi. Il savait que c'était Dieu qui était là. Alors il a dit, « Où est Sarah ?» comme s'il ne le savait pas. Et tu, Abraham lui a dit, « Il est dans la tente, elle est dans la tente derrière toi. » Et tu as dit ce qui allait arriver, et elle, dans son cœur, elle en a douté. Et alors tu as dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle douté de ça ?» en disant dans son cœur, « Ces choses ne sont pas possibles. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu ?» Oh Dieu, Jésus, Dieu manifesté de la parole, tu as dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome, le monde serait dans cet état-là juste avant la destruction du monde des nations, la dispensation des nations. » Nous en sommes là, sodomites jusqu'à la moelle. Et alors, tu as dit que le Fils de l'homme, ce qui se rapporte toujours à un prophète, serait révélé à cette heure-là. Accomplis tes paroles, ô Dieu. Nous, tes enfants qui croient, nous attendons avec des cœurs sincères que tu nous donnes la foi, Seigneur, pour que, quand nous aurons la ligne de prière, les gens croient. C'est le temps du soir, Père, que les lumières du soir, du Fils de Dieu, celui qui était et qui est et qui vient, qu'il se manifeste par la prophétie qu'il a faite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis maintenant prêt pour prier pour les malades. Mais c'est une chose étrange, là, quand nous nous tenons ici. Voici que je me tiens ici maintenant, lançant un défi au public et à ceux qui sont reliés par le téléphone d'un bout à l'autre du pays, comme quoi Dieu est encore Dieu. Il ne peut pas faillir. Et ce qu'il promet, il le fera. Il ne manquera jamais de le faire, car il a promis de le faire. Par conséquent, je peux placer une confiance solennelle dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi je m'attends à sa venue. Je m'attends à ce qu'il apparaisse à tout moment. Parce qu'il a dit, à l'heure où vous n'y penserez pas, le monde n'y pensera pas, alors il apparaîtra. Maintenant, autant que je sache, je suis dans mon tabernacle ici. Et il y a effectivement quelques personnes assises ici que je connais. Frère Wright, quelques-uns de ceux qui sont assis ici, juste par ici, eux je les connais. Mais il y a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas. Et je ne peux aucunement affirmer que Dieu fera ceci ce soir. Nous le voyons le faire depuis des années et des années. Mais il se pourrait qu'il ne le fasse pas ce soir. Je ne sais pas. C'est à lui de décider. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire quoi faire. Il demeure seul dans sa volonté et dans ses voies. Mais parce qu'il l'a promis, je lui demande de le faire. Pas dans notre intérêt, parce que nous en avons besoin, mais plutôt dans l'intérêt, peut-être, de quelques nouveaux venus. Que le Saint-Esprit puisse être oint. Maintenant, mettre son onction sur nous.
Maintenant, peu importe combien il peut moindre, il faut qu'il vous oigne, vous aussi, c'est certain, pour que vous croyiez. Maintenant, je veux faire une ligne de prière et je veux prier pour les malades autant que je le pourrai. Maintenant, nous pouvons soit former une ligne, appeler les gens et les faire monter ici, une ligne de prière, et prier pour tout le monde ici qui est malade, je suppose. Faire venir mes frères ministres ici à nos côtés et vous imposer les mains. Ça, nous pouvons certainement le faire. Ou bien, nous pouvons demander à notre Père, qui est le seul qui soit capable de tout faire pour vous. En effet, mes mains ne sont que celles d'un homme comme vous, les hommes. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas la main humaine qui produit cela, c'est la parole de Dieu. C'est la foi dans cette parole qui produit cela. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ce n'est pas scientifique du tout. Il n'y a pas une seule chose que le chrétien ait dans son armure qui soit scientifique. Le saviez-vous? L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi, le Saint-Esprit, tout cela n'est pas perçu par la science. Et c'est la seule chose qui soit réelle et durable. Tout ce que vous voyez vient de la terre et retourne à la terre. Mais les choses que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, mais que vous voyez se manifester elles-mêmes, c'est ça le monde éternel. Croiriez-vous, si Dieu voulait bien se manifester et montrer qu'il est ici vivant, faisant les mêmes choses qu'il avait faites au commencement, après ce message, accepteriez-vous cela comme votre guérison? Puisse Dieu l'accorder. Maintenant, je demande à n'importe quelle personne dans la salle, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, je vous demande seulement de croire solennellement que ce message est la vérité. C'est ça le message que Dieu a dans sa Bible pour cette heure-ci. C'est que Jésus-Christ est ici ce soir et qu'il est vivant. Maintenant, presque, vous tous, vous me connaissez. Je suis ici dans la ville même où j'ai été élevé. Je n'ai même pas complété mes études primaires. C'est l'exacte vérité. Et vous me connaissez depuis assez longtemps. J'espère que j'ai vécu devant vous de manière à vous démontrer que je suis honnête et sincère. Je ne suis pas un hypocrite. Même mes critiques ne disent pas ça. Eux, ils disent simplement, vous n'êtes pas un hypocrite, mais vous êtes tout simplement dans l'erreur. Vous êtes simplement dans l'erreur par ignorance. Ce n'est pas volontaire. Je ne pense pas que je sois dans l'erreur par ignorance, parce que la parole de Dieu rend témoignage de mon message, et elle devrait vous déclarer de qui il s'agit. Et vous m'entendez clairement dire que ce n'est pas moi. Alors ça ne peut être que lui. Pas vrai? Alors, ayez foi en Dieu. Regardez par ici et croyez Dieu. Si vous pouvez croire Dieu, Dieu vous l'accordera. S'il peut faire cela comme il l'a fait auparavant, alors il est toujours Dieu. Vous croyez ça? Vous le croyez? Une dame assise ici devant moi qui me regarde, les larmes aux yeux, sincèrement. Je ne sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais vue. Je vous suis inconnu. D'après vous, est-ce que Dieu connaît le secret de votre cœur, vos désirs, votre péché ou ce qu'il peut y avoir? D'après vous, est-ce qu'il le sait? D'après vous, est-ce qu'il pourrait me révéler quel est votre péché? Ce que vous avez fait, ce que vous n'auriez pas dû faire, ou votre désir, ce qu'il peut y avoir? S'il le faisait, est-ce que ça vous amènerait à le croire, à savoir que ça ne peut être que lui? Est-ce que vous accepteriez que c'est lui? Ce n'est pas votre péché qui vous tracasse. Vous l'avez confessé. Mais ce que vous désirez, c'est le baptême de son Saint-Esprit. Vous le recevrez. Je l'ai vu descendre sur elle. Pour que vous sachiez, là, je regardais cette femme, elle me regardait. Je voudrais vous montrer le Saint-Esprit. Regardez ici, juste au-dessus de cette petite femme, assise ici en bas, à mes pieds, ici. Quand j'ai dit ça, elle désire la même chose, le baptême du Saint-Esprit. Croyez-vous que vous le recevrez, sœur? Alors, levez la main.
Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, à ce que je sache. Vous voyez cet homme assis ici, avec la tête inclinée, assis juste là, avec le col qui ne lui va pas, et tout. Vous souffrez d'un problème de vessie. Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Levez la main si vous voulez bien l'accepter. Très bien. Que Dieu vous accorde ce que vous demandez. Ce jeune homme, assis juste ici, il désire le baptême du Saint-Esprit. Croyez-vous que Dieu vous le donnera, monsieur, avec votre cravate lacet blanche qui pend derrière? Dieu l'accordera. Cet homme ici est en train de prier pour sa femme. Elle est dans un hôpital psychiatrique. Croyez-vous que Dieu la guérira, qu'il la rétablira? Le croyez-vous? Vous pouvez le recevoir. Vous, avec la main levée au niveau de la gorge, croyez-vous que Dieu peut guérir cette maladie de cœur qui vous cause des ennuis, ces problèmes d'estomac que vous avez? Vous êtes assis là, vous souffrez maintenant même, pas vrai? Croyez-vous qu'il vous guérit? Alors vous pouvez le recevoir. Amen. Vous voyez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demandez à ces gens-là, voyez si je les connais. Moi, je ne les connais pas, mais lui les connaît. Amen. Regardez cette lumière du côté du mur, là-bas, suspendue juste là, au-dessus d'un homme qui est assis là. Il souffre d'une affection de la colonne vertébrale, du dos. Il n'est pas d'ici, il vient de la Géorgie. Monsieur Duncan, croyez de tout votre cœur, Dieu guérira ce mal de dos. Vous croyez de tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse. Voici un homme assis tout au fond, ici, qui a mal au dos. Il me regarde. Je ne le connais pas, mais c'est Monsieur Thompson. Vous croyez? Levez-vous, monsieur, là-bas, pour que... Je vous suis inconnu. C'est exact, mais vous êtes assis là, en train de prier. Votre mal de dos est guéri maintenant. Jésus-Christ vous rétablit. Il y aura de la lumière vers le temps du soir. Ne voyez-vous pas? Il est ici ce soir. Il est le grand Je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Êtes-vous satisfait et convaincu qu'il s'agit ici de Jésus-Christ qui se fait connaître, qui s'identifie par la prophétie? Ne vous inquiétez pas au sujet de cet œil. Dieu guérit les malades et les affligés. Combien de gens combien ici sont malades? Faites voir vos mains. Ça tire tellement. Il y a tellement de tension, semble-t-il. Y en a-t-il parmi vous qui ont des cartes de prière? Je ne peux pas voir comment je pourrais vous faire venir jusqu'ici. Je voudrais prier pour vous, mais je ne sais pas comment faire. Vous voyez ce qu'il y a? Regardez au mur. Comment vais-je les faire passer là? Que faire si vous avez une allée pleine de monde? L'autre, elle est bloquée là. Tout le monde est immobilisé. Soyez attentifs. Écoutez-moi bien. Vous ai-je déjà dit une seule chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivée? Est-ce exact? Tout a toujours été vrai. Je ne vous ai jamais demandé un seul sou de ma vie, n'est-ce pas? Pas une seule fois. Je n'ai jamais ramassé une offrande de ma vie. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je ne suis pas ici pour vous séduire. Je suis ici pour manifester la parole de Dieu de cette heure. Je vous ai dit la vérité et Dieu en a rendu témoignage que c'est la vérité. Maintenant, je vous dis, ainsi disent les Écritures, que si le croyant impose les mains aux malades, Jésus a dit, ceux-ci seront guéris. Croyez-vous ça? Alors, dans la présence de Dieu, ne croyez-vous pas qu'il le fera maintenant même? Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres et gardez-les simplement là pendant un instant. Maintenant, ne priez pas. Imposez-vous seulement les mains les uns aux autres. Là-bas, dans le pays, et moi-même, je les pose sur ces mouchoirs. Maintenant, je veux que vous me regardiez un petit instant. Qu'est-ce que Dieu n'a pas accompli? Considérez ce qu'il... La parole, là, que nous avons lue, les prophéties dont nous avons parlé, alors que Jésus s'était identifié par les prophéties.
Maintenant, considérez l'heure et ces trois dernières semaines, là, nous avons situé l'heure où nous vivons. Considérez ce que nous avons lu, là, au sujet des faux prophètes et des signes qui iraient presque jusqu'à séduire les élus. De la parole qui était manifestée, du Dieu de cet âge qui a aveuglé le mensonge, les cœurs des gens. Et Dieu lui-même qui a dit par ses prophéties que ces choses se produiraient dans cet âge de Laodicée. Il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Dieu est ici, exactement le même Dieu qui a parlé à ces gens en route vers Emmaüs, qui s'est identifié par les prophéties qui avaient été prédites à son sujet. Il est ici ce soir, identifiant sa présence par les prophéties prédites pour cet âge-ci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pouvez-vous le croire? Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Ne priez pas pour vous-même, mais à votre propre manière, priez pour cette personne à qui vous avez imposé les mains, parce qu'elle, elle prie pour vous. Maintenant, regardez, ne doutez pas. Et maintenant, si vous pouviez voir ce que je suis en train de regarder, et vous savez que je ne vous mentirai pas debout ici. Si vous pouviez voir et que votre foi pouvait attirer ce glorieux Saint-Esprit qui se déplaçait là-bas dans les airs, dont la science a pris des photos, et que vous le voyez se mouvoir dans ce bâtiment, essayant simplement de trouver un lieu où se poser, essayant de trouver un lieu dans lequel s'ancrer. Croyez-le seulement, mon frère. Il l'a prouvé par l'Écriture et tout, que c'est vrai. Maintenant, priez avec sincérité pour cette personne sur laquelle vous avez posé les mains. Elle, elle prie pour vous. Bien-aimé Jésus de Nazareth, certes, nous sommes conscients, Seigneur, par la parole que tu es ici, par la promesse que tu es ici, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Partout là-bas où l'on est relié par le téléphone, puisse le glorieux Saint-Esprit entrer dans chaque assemblée. Puisse la même sainte lumière que nous regardons ici même dans l'Église, puisse-t-elle tomber sur chacun d'eux sans exception, et puisse-t-il être guéri en ce moment. Nous réprimons l'ennemi, le diable, en présence de Christ. Nous disons à l'ennemi qu'il est vaincu par les souffrances subies pour autrui, la mort du Seigneur Jésus et la résurrection triomphale le troisième jour, et par la preuve qui a été faite qu'il est ici parmi nous ce soir, vivant après 1900 ans. Que l'Esprit du Dieu vivant remplisse chaque cœur de foi et de puissance et de vertu guérissante issue de la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est identifié maintenant par cette grande lumière qui tournoie dans l'Église en sa présence. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le pour la gloire de Dieu. Puissent ces mouchoirs sur lesquels nous prions, puissent-ils parvenir aux malades et aux affligés auxquels ils sont destinés. Le même Saint-Esprit qui est ici maintenant en train de s'identifier, puisse-t-il s'identifier sur chaque patient sur lequel ces mouchoirs seront posés. Puisse la présence de Dieu remplir tellement leur cœur de foi que la maladie de leur corps sera guérie. Nous demandons ceci pour la gloire de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Nous le demandons en tant que serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, du fond de votre cœur, peu m'importe ce qui n'allait pas en vous, pouvez-vous, du fond de votre cœur, croire de tout votre cœur que la parole de Dieu vous a accordé ce que vous aviez demandé? Je crois que chaque main, autant que j'ai pu voir, s'est levée. Si vous le croyez, alors souvenez-vous, c'est terminé. Vous là-bas, relié par le téléphone, si vous avez cru de tout votre cœur, pendant que les ministres vous imposent les mains et que les bien-aimés vous imposent les mains, si vous croyez de tout votre cœur que c'est terminé,
C'est terminé. Le glorieux Saint-Esprit, il est ici dans le tabernacle ce soir. Je l'ai vu se mouvoir au-dessus des gens. Il s'est montré ici du côté du mur et il est descendu sur un homme. Il est descendu ici et il a parcouru le bâtiment en faisant connaître les secrets des cœurs, l'identification de sa présence pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est au milieu de nous. Il est Dieu, le Dieu infaillible. Et notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et ne brûle-t-il pas maintenant de savoir que nous sommes maintenant dans la présence de Jésus-Christ ressuscité? À qui soit la gloire et la louange au siècle des siècles? Qui est l'empreinte du Tout-Puissant Jéhovah, qui est descendu sous forme d'une colonne de feu dans un buisson ardent pour attirer l'attention d'un prophète, qui était descendu sur la montagne, et quiconque, sauf Moïse et Josué, osait la toucher, devait être tué. Et alors, il a conduit les enfants d'Israël dans le désert pendant qu'ils faisaient route. C'était un type du peuple appelé à sortir aujourd'hui. Le voici par la recherche scientifique. Il s'est même identifié devant la science. Et par ses actions mêmes, et par sa prophétie même, les choses qui ont été prophétisées qu'il allait faire en ce jour-ci, afin d'établir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ont été parfaitement confirmées. Cela ne suffit-il pas pour faire que notre cœur brûle au-dedans de nous? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, d'un commun accord, levons-nous et disons: j'accepte maintenant Jésus-Christ comme Sauveur et Guérisseur. Et par sa grâce, à partir de cette heure, ô Dieu, qu'aucune incrédulité n'entre jamais dans mon cœur, car j'ai vu la prophétie de ce jour-ci accomplie. Je crois que Jésus-Christ est vivant et est ici maintenant en train de confirmer sa parole. De cette heure-ci, les prophéties qui ont été écrites à son sujet sont maintenant accomplies au milieu de nous. Il est mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, mon tout en tout. Dieu bien-aimé, écoute notre témoignage et donne-nous jour après jour le pain de vie. Et nous t'offrons la louange, ô Dieu, du fond de notre cœur. Nous te louons, toi le puissant, le Dieu des prophètes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quel moment, quel temps! Just only believe. All things are possible. Only believe. Nous pourrions le chanter comme ceci. Est-ce là votre témoignage? Maintenant, pendant que nous courbons la tête,
Voudrais-tu dire quelque chose, Vale? Avec nos têtes inclinées, frère Vale se tient ici pour terminer la réunion par la prière. Frère Lee Vale, c'est un écrivain de ce tabernacle en ce qui concerne la documentation et les livres et ainsi de suite. Un très précieux frère, il a été avec moi dans plusieurs campagnes. J'aimerais pouvoir donner l'occasion à tous les ministres, les faire monter ici et leur parler. Vous comprenez, j'en suis sûr. Tous les ministres, nous sommes contents de vous avoir ici. Tous les laïcs, les gens de différentes églises, et que sais-je encore, nous sommes contents de vous avoir ici. Et c'est vraiment notre prière les uns pour les autres. Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous revoyons. Avec nos têtes inclinées et nos mains levées, chantons-le de nouveau à Dieu, très doucement.